Simple, vigoureuse, élégante et splendide, l'encre mélange les couleurs de la nuit pour se transformer en grand pain dans la brume. Vertigineuse, pénétrante, bleue et bienfaitrice, l'eau coule entre les vallées sous les étoiles. Dans la journée, on contemple les monts Rouen. On voit leurs couleurs et leurs formes. Au clair de lune, on s'y rend. On entend le son des pins et leurs rimes. Les monts Rouen sont beaux et anciens. La brume et les nuages enveloppent les grands pins comme la nuit enveloppe la montagne. Intitulée « Les grands pins dans la brume et les nuages », cette œuvre de Huang Bingrong a été créée dans les années 1940. Poussée à son paroxysme, la technique de l'encre porte la peinture de paysages chinois du XXe siècle à son sommet. Huang Bingrong était septuagénaire lorsqu'il a peint cette œuvre. C'est après 70 ans d'apprentissage qu'il semble avoir enfin compris le vrai sens de la peinture à l'encre. Les œuvres qu'il réalisera avec son pinceau feront de lui un véritable maître du XXe siècle. Une, deux, voire 10, à mesure que les couches de la vie se superposent, le paysage montagneux est de plus en plus lumineux.墨法这东西是一个千变万化的，其实说穿了都是一种灵魂的东西。墨法正显现了中国文化的这样的一种人格特性，中国人的宇宙观。而对于墨法的展现，尤其是对于积墨的展现，成为黄宾虹，或者说我们后来欣赏黄宾虹山水的一个标志。 À Beijing, dans une maison de la ruelle Shefuma, Huang Bingrong est déjà un homme âgé. Né en 1865, il s'est consacré toute sa vie à son art. Il a également compilé la fameuse collection des célèbres peintures chinoises et fondé l'hebdomadaire de l'art. Dans les années 1930, alors que la capitale est en danger face aux avancées sur les champs de bataille de l'armée japonaise, Huang Bingrong est invité à monter au nord, dans la cité interdite, pour aider à identifier et trier des peintures anciennes en vue du déplacement de ce patrimoine culturel menacé par la guerre. Au cours de cette période, Huang Bingrong observe un grand nombre de peintures anciennes. Il recherche l'âme de la peinture à l'encre dans le monde paysager de ses ancêtres. Ressent les changements météorologiques dans l'atmosphère épaisse et dense et absorbe les expressions subtiles du pinceau et de l'encre.
Après des décennies durant lesquelles il a imité et exploré le travail de ses prédécesseurs, Huang Bingrong résume finalement les 7 techniques de l'encre. L'encre épaisse sert pour faire les ombres, les dépressions et les gros plans. L'encre claire sert pour les zones lumineuses, les reliefs et le lointain. L'eau est utilisée pour la peinture à l'encre contrastée. Il y a aussi l'entrecroisement répété avec l'empilement des couches, les éclaboussures d'encre, l'utilisation d'un pinceau sec et le tamponnement avec un pinceau. Comprenant l'esprit culturel de la tradition du pinceau et de l'encre, Huang Bingrong a amorcé une révolution pour créer son propre style. Les monts Huang, l'artiste les a gravis 9 fois dans sa vie. Il est venu ici plusieurs fois lorsqu'il mettait en pratique ses idées. Il aimait particulièrement regarder les reliefs éclairés par la lune et peindre à la lumière de cet astre. Les scènes compliquées de la journée ne sont que des contours flous dans l'obscurité. La brume passe et la nature change. Les pins se balancent au clair de lune. Dans les monts Huang, ils se dressent, nourrissant l'esprit d'une culture profonde et noble. Voilà à quoi Huang Bingrong pense jour et nuit, la profondeur de la culture chinoise. Dans les années 1940, la civilisation humaine a déjà souffert de 2 guerres mondiales successives. Tant en Chine qu'à l'étranger, à l'est qu'à l'ouest, on traverse alors des moments très difficiles. Les gens sont impétueux, la haine se répand et toute la société a un besoin urgent d'une sorte de reconstruction spirituelle. Huang Bingrong écrit : l'art est la cristallisation de la civilisation spirituelle. Et les problèmes dans le monde réel reflètent aussi le déclin de la civilisation spirituelle. Pour sauver le monde, nous devons partir de là. Il tient à trouver la force du réconfort et de la reconstruction dans l'esprit poétique du pinceau et de l'encre d'Orient. Huang Bingrong commence finalement à peindre. À cet instant, dans son cœur, les pins se balancent dans les montagnes, les nuages et la brume montent. Sous son pinceau, l'encre et l'eau se confondent. Lorsque la couleur de l'encre s'étale sur le papier, l'artiste continue de tremper son pinceau dans l'encre épaisse, couche après couche. Enfin, l'œuvre est achevée. Huang Bingrong 最大的特色就是墨法用的最好，尤其这是素墨的东西啊，容易脏，点上去以后啊，痕迹特别重。你要是画不好了，就显得个乌涂一片，所以别人是很少用，他敢用。范松烟霭这幅作品是黄宾虹晚年黑冰红时期的代表作品，就是把所有的山水已经脱离了具体的形制，进入一种感觉的世界。 甘冽秋风，润寒春雨。范松烟霭表现的是传统文化历久弥新、历久弥坚的这样的一种形态。半个多世纪，我们再看黄宾虹，它越来越显现它的价值，而这样的一种对于东方文化的自信，在今天也越来越为我们所认同。Huang Bingrong a toujours cru que le pinceau et l'encre étaient l'expression du caractère national. Il résumait ses peintures en 4 mots. Simple,
vigoureuse, élégante et splendide. Et il savait encore mieux qualifier le cœur et l'essence de la culture chinoise, vaste et profonde, claire et brillante. Dans le tableau, les grands pins se balancent dans la brume et les nuages. C'est une scène créée au pinceau et à l'encre, et c'est aussi l'attitude éternelle des Chinois. Lorsque dans le ciel, les feux d'artifice représentent le pin de bienvenue pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing, nous semblons mieux à même de comprendre les mystères culturels que cela contient. La vertu est plus grande que l'harmonie. L'harmonie de toutes choses et l'harmonie dans le monde. C'est la sagesse de l'Orient de s'entendre avec la nature et le monde. Tout est éternel dans l'encre.